Bonjour Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Directeurs, merci de vous être rendu disponible ce matin dans le cadre de cette audition. Avec mon collègue Hugo Bernalicis, nous sommes rapporteurs d'une mission d'information sur l'impact qu'aurait la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, en particulier sa départementalisation. C'est dans ce cadre que nous souhaitons vous interroger. La préfecture de police de Paris a une organisation qui lui est propre, et notamment, vous avez sous votre responsabilité, monsieur le préfet, deux directions, une de PJ et une de sécurité publique. On aimerait bien que vous nous décriviez le fonctionnement de la préfecture de police, voir comment vous avez comment s'organise cette spécificité. Donc, dans le cadre de propos liminaires, je vous propose de répondre. Voilà, présenter le fonctionnement de l'APP, ce que vous avez aussi compris de la réorganisation en cours, si vous avez un avis sur ce sujet. Et puis ensuite, on vous posera des questions, mon collègue et moi-même. Merci. Voilà, mais merci Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. C'est l'autre micro. D'accord. Voilà, merci. Monsieur le rapporteur, donc Madame la rapporteure, donc juste, oui, je vais faire en propos liminaire peut-être une présentation, effectivement, mais les directeurs pourront s'exprimer aussi hein, sur la mission police judiciaire à la préfecture de police de Paris. Donc je vais revenir rapidement pour ce qui me concerne sur l'organisation, puis je pense sur ce qui vous intéresse par rapport à la mission qui est la vôtre, c'est le rôle qu'a le préfet de police dans l'animation de tout ça. Je pense que c'est ce qui vous intéresse par rapport à l'objet de votre mission et à la réforme, et puis on pourra y revenir dans les questions posées, mais je crois que le cœur du sujet pour vous, il est plutôt là. Mais c'est vrai qu'il y a un préalable à faire, évidemment, sur l'organisation de la préfecture de police de Paris, qui est un modèle plus intégré que ce qu'on trouve sur le reste du territoire national, dans le monde de la police nationale. C'est un modèle qui est plus intégré, dans la mesure où, en tant que préfet de police, moi, j'ai autorité sur toutes les directions des services actifs de la police nationale, de la préfecture de police, et des directions administratives, mais aussi des directions de services actifs de la police nationale, puisque Madame Tomatis, qui est à ma droite, donc la directrice de la DESPAP, et Monsieur Christian Sainte, le directeur régional de la police judiciaire, donc sont des directeurs des services actifs de la police nationale, donc organisés comme une administration centrale. Donc moi, je suis leur patron direct. Hein, le préfet de police est le patron de l'ensemble des directeurs. J'y reviendrai dans l'articulation, évidemment, avec l'autorité judiciaire, hein, puisque je ne suis pas en charge de mener la politique judiciaire. Évidemment, j'y reviendrai. D'abord, rapidement, hein, donc l'organisation de la mission police judiciaire à la préfecture de police, elle repose sur ces deux directions. Donc avec la direction régionale de la police judiciaire. Donc le directeur, je pense, la présentera plus en détail, hein, mais c'est une direction qui est plutôt en charge de la grande criminalité, de la délinquance importante, de la délinquance financière importante, et qui est organisée avec une direction régionale qui est au 36 au Bastion, hein, anciennement 36 quai des Orfèvres, et qui comporte un certain nombre de bureaux centraux, hein, de brigades centrales, et puis une déclinaison territoriale. Dans chacun, dans Paris, il y a trois districts de police judiciaire, et dans les départements, puisque vous savez que le préfet de police est compétent dans quatre départements, hein, donc le 75, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, donc dans quatre départements, il y a des services départementaux de police judiciaire. Bon. Et qui traite un certain nombre d'affaires, le plus souvent d'ailleurs dans le cadre d'un protocole de répartition de compétences qui est acté entre la DESPAP et la DRPJ et qui est validé par les parquets. Hein, donc il y a autant de protocoles qu'il y a de parquets de départements en réalité. Évidemment, moi, je n'interfère pas dans cette répartition de compétences, que les choses soient claires. Hein, je n'interfère pas là-dedans. Donc ça, c'est la DRPJ, mais monsieur le directeur... Il reviendra. Côté DESPAP, on a une organisation qui est en fait... Et donc la DRPJ a une organisation qui est très proche de ce qu'est la direction centrale de la police judiciaire au plan national. Et puis on a la DESPAP, qui est la direction de la sécurité publique, qui opère sur le territoire de la préfecture de police de Paris, qui a à sa tête la directrice, qui a dans chaque département... des directeurs territoriaux, donc il y en a un pour Paris, il y en a un pour le Val-de-Marne,
un pour la Seine-Saint-Denis et un pour les Hauts-de-Seine, donc, qui sont donc des directeurs territoriaux de la DESPAP, hein, donc de la sécurité de l'agglomération. Et ces directeurs ont sous leur autorité, un peu comme les DDSP dans les départements de la police nationale, des sûretés. Hein, donc nous avons des sûretés territoriales qui sont implantés dans chaque département et qui donc ont pour mission principale évidemment des affaires en matière de police judiciaire. Et la mission police judiciaire est également exercée dans chacune des circonscriptions l'agglomération. Hein, donc il y a 79 circonscriptions. Et dans chaque circonscription, nous avons des SAIP, hein, des services d'investigation de proximité. Alors le A, service d'accueil, d'investigation et de proximité, qui traite donc ce qu'on appelle, même si je n'aime pas du tout ce terme, le petit judiciaire, le judiciaire courant. Donc c'est une action qui est menée donc par les SAIP dans les commissariats. Alors pour être précis, il y en a 80, parce que sur une circonscription, on a deux SAIP, hein, c'est sur la circonscription de Bobigny, on en a un à Bondy et un à Bobigny. Donc il y a 79 circonscriptions et 80 SAIP. Et puis nous avons des services de police judiciaire un peu spécialisés qui relèvent de la DESPAP, et notamment la sous-direction qui traite de l'immigration illégale et du travail dissimulé. Et puis nous avons également une sûreté auprès de la police régionale des transports, qui traite d'affaires qui concernent les transports et qui est une sûreté et qui s'est spécialisée dans un certain nombre de domaines et qui en ce moment d'ailleurs travaille énormément sur le crack, puisqu'on a même un groupe crack, puisque vous savez que le crack était d'abord un phénomène qui se déroulait, la consommation et le trafic est essentiellement dans le métro, donc on a créé un groupe crack il y a quelques années qui est toujours compétent sur ce sujet. Alors au sein de la DESPAP, même chose, hein, même répartition. Donc il y a une répartition, alors là, qui pour le coup n'est pas fixée par protocole, mais qui relève donc de l'autorité de Madame la directrice. Hein. Donc évidemment, les sûretés traitent les affaires, on va dire, de moyenne délinquance et ont vocation d'ailleurs à venir en soutien des services de police judiciaire des circonscriptions, des commissariats. C'est aussi leur rôle d'être en soutien technique, soutien opérationnel, parfois en orientation. Et le SAIP traite plutôt de la petite délinquance. Encore une fois, je n'aime pas du tout ce terme, parce que bien souvent, quand on démarre une affaire dans un SAIP qui peut être une affaire qu'on va considérer de petite délinquance, très rapidement, on peut tomber sur des ramifications qui font qu'on se retrouve en criminalité organisée, en réalité. Et que dans ce pays, il n'y a pas un monopole de la criminalité organisée qui appartiendrait à tel ou tel service. Tous les agents de police judiciaire font un travail qui est un travail judiciaire et qui peut mener sur des grosses affaires. Et en fonction des décisions des parquets, parfois même, ils ne sont pas forcément dessaisis et ils continuent à mener ces affaires. Voilà. Donc voilà sur quoi repose l'organisation de la répartition de compétences de la mission judiciaire. Alors il y a des protocoles. Donc moi, je n'interfère pas évidemment dans la définition de ces protocoles, hein, que les choses soient claires. C'est l'autorité judiciaire. Mais force est de constater quand même, et les directeurs, je pense, y reviendront, que sur la plaque parisienne, la DRPJ a des compétences, monsieur le directeur, hein, qui vont un peu au-delà de ce que fait la DCPJ sur le territoire national. C'est-à-dire qu'ils traitent des affaires qui sont parfois, qui ne sont pas traitées par la DCPJ au plan national, qui sont des affaires qui ont trait plutôt à la moyenne délinquance, mais parce qu'elles ont un caractère sériel, parce qu'elles concernent finalement l'ensemble de la plaque parisienne. Enfin, ça va être le cas, par exemple, en matière de cambriolage, en matière de certains types de vols violents. Alors, on a des affaires qui sont prises en compte par la DRPJ et qui ne le sont pas par la DCPJ sur le territoire national. Bon. Mais ça résulte des protocoles. Bon, voilà. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que l'intégration forte qui existe à la préfecture de police de Paris fait que certains services de police judiciaire ont acquis vraiment des spécialités, une spécialisation. On a beaucoup de sûretés qui sont placées sous l'autorité de Madame la directrice, qui ont acquis un certain nombre de spécialités dans leur département et qui, de ce fait, les parquets les saisissent sur tel et tel dossier. Je citais à l'instant le groupe CRAC de la sûreté de la police régionale des transports, qui a acquis une vraie expertise sur ces sujets et qui est assez régulièrement saisie, en réalité, pour traiter de ces problèmes de crack. Et puis on a plein de... Oui, voilà, les vols de monde de luxe. On a plein de sûretés qui, sur un certain nombre de thématiques, se sont spécialisées et s'occupent donc de ces affaires. Et ça résulte de l'intégration, évidemment, très forte qu'il y a à la préfecture de police. Alors juste, je terminerai ce propos liminaire en disant, avant de passer la parole au directeur puis de répondre à vos questions...
comment ça se passe concrètement, l'organisation finalement et la conduite, l'orientation des affaires. Moi, je suis chargé de la politique de sécurité et de lutte contre la délinquance sur la plaque parisienne. Bon. Évidemment, ça a toujours une incidence sur l'action judiciaire. Il est illusoire de penser qu'on vit dans deux mondes séparés. On ne vit pas dans deux mondes séparés. Moi, je suis en charge de la politique de sécurité et donc de l'orientation des services de police pour lutter contre la délinquance. Donc je réunis évidemment très régulièrement l'ensemble des directeurs de police et on applique des instructions qui nous sont données par le ministre de l'Intérieur en matière de lutte contre la délinquance. C'est vrai en matière de lutte contre les cambriolages, c'est vrai en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est vrai dans évidemment plein de domaines, la lutte contre les violences infrafamiliales. Il y a énormément donc de priorités en matière de délinquance et nous orientons évidemment les services de police sur ce type de priorités. Évidemment que la criminalité organisée en fait partie. Ça a toujours été une des priorités de l'action gouvernementale en matière de lutte contre la délinquance. Et donc ce qui se passe évidemment, c'est qu'à la préfecture de police, nous déclinons les grands plans d'action qui sont décidés par le gouvernement. Et je pense, pour vous donner un exemple du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, évidemment que nous appliquons le plan et la doctrine de l'OFAST, qui nous a conduit à identifier un certain nombre de points de deal sur l'ensemble de la plaque parisienne et de veiller au démantèlement de ces points de deal. Évidemment que nous discutons autour du préfet de police avec les directeurs de ces objectifs et des actions à mener. Mais et donc l'orientation des services se fait de manière un peu collective sur ces sujets, que ces priorités, elles sont le plus souvent partagées. Donc je vous cite le plan STUP, qui est l'exemple qui est le plus connu. Mais chaque été, nous avons de nombreux touristes qui fréquentent la capitale. Il y a des enjeux d'attractivité pour nous, à être en capacité de lutter contre la délinquance et d'être efficace dans la lutte contre la délinquance qui vise les touristes. Nous associons à ce plan l'ensemble des directions. Donc évidemment la DESPAP, qui est concernée par des présences de voies publiques, par des actions de petits judiciaires, et pour certains réseaux plus organisés, la DRPJ, évidemment, hein, qui peut également se saisir d'affaires. Mais j'insiste sur une chose, et c'est finalement la question qui est la plus importante. Moi, dans ces réunions, je donne des orientations, mais ces orientations, moi, j'en discute toujours avec les procureurs. Dans la vraie vie, les préfets et les parquets se parlent. Dans la vraie vie, ils se parlent tout le temps. Et les parquets reçoivent d'ailleurs en général des instructions de conduite de politique pénale dont j'ai la faiblesse de penser, je suis même certain, qu'elles correspondent exactement aux instructions que reçoit le ministre de l'Intérieur en matière de lutte contre la délinquance. Ce sont les mêmes. Et évidemment que quand nous décidons de nous focaliser, comme on le fait actuellement sur le crack à Paris, évidemment que tout ça est partagé avec Madame la procureure de Paris, qui partage ses orientations, et évidemment ensuite que quand les services de police judiciaire vont lancer un certain nombre d'investigations, que ce soit les services de Mme Tomatis, que ce soit les services de M. Sainte, quand ils vont lancer un certain nombre d'investigations pour interpeller des vendeurs de crack, des mots doux, évidemment que ça se passe sous l'autorité du parquet. Moi, après, je n'ai plus rien à voir avec ça, plus rien à voir avec ça. On a une orientation, elle est validée par le parquet, ou pas d'ailleurs, ou pas. Elle peut ne pas l'être. Mais évidemment qu'ensuite, c'est le parquet qui est responsable de l'enquête, c'est lui qui conduit l'enquête, c'est lui qui conduit les investigations, dont moi je n'ai pas à connaître par ailleurs, et dont je ne connais pas, sauf dans le cadre qui est légal, qui est prévu, et qui est prévu par le code de procédure pénale, qui prévoit que le préfet, et c'est vrai évidemment pour le préfet de police comme tous les préfets de France, peuvent être informés de toute affaire judiciaire qui pourrait avoir une incidence en matière d'ordre public ou de tranquillité publique. Et point barre, ça s'arrête là. Voilà. Voilà comment nous fonctionnons. Moi, le gros avantage, évidemment, que je vois à l'organisation de la préfecture de police, c'est cette intégration extrêmement forte qui existe et qui fait qu'on est tous ensemble autour d'une table et qu'on partage des préoccupations, qu'on partage des orientations de politique publique en matière de lutte contre la délinquance. Mais dès qu'on rentre dans les actions judiciaires, ça implique de toute façon une validation de ces orientations par le parquet, même plus qu'une validation, parfois même des orientations. Et bien évidemment, moi ensuite, je n'ai plus à en connaître. Hein, je n'ai plus à en connaître. Voilà, voilà ce qui est le modèle. Voilà, peut-être Christian, monsieur le directeur, passe la parole pour. Merci, monsieur le préfet.
Bonjour madame, bonjour messieurs. Bon, beaucoup de choses ont été dites à l'instant. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'organisation actuelle de la préfecture de police, telle qu'elle a été indiquée, elle correspond effectivement à l'histoire et à une réforme qui est la dernière en date de 2009, c'est ça. Aujourd'hui, dans cette direction de la police judiciaire, mais évidemment... vous allez avoir le miroir de l'autre côté avec ma collègue Isabelle Tomatis. L'organisation, effectivement, elle est très territoriale. D'abord, j'ai envie de vous dire, la direction de la police judiciaire, c'est une direction territoriale. Elle est ancrée sur son territoire, qui couvre évidemment l'agglomération, Paris, Intramuros, et donc les trois départements de la couronne, la petite couronne. Bon. Faut pas l'oublier, parce qu'évidemment, ce n'est pas non plus une redondance préfecture de police de la direction centrale de la police judiciaire. C'est pas ça. Nous n'avons pas un rôle d'office et une compétence élargie. Donc tout l'intérêt et tout l'enjeu pour cette direction, pour la direction de la PJ, c'est évidemment de fonctionner en synergie, en complémentarité avec ce que vont faire les services de la DESPAP, de respecter effectivement le cadrage qui a été indiqué par le monsieur le préfet de police, qui nous a bien précisé comment effectivement ses objectifs et ses priorités étaient définis, et évidemment d'articuler les services pour répondre à la réalité de la délinquance telle que nous la voyons évoluer au quotidien, puisqu'évidemment rien n'est jamais fixé, donc, et d'adapter les services en conséquence. Donc la particularité, ça a été indiqué, mais j'insiste sur ce sujet-là, la particularité de l'organisation de la direction, c'est qu'effectivement elle possède donc en son sein des districts de police judiciaire, donc sur Paris intramuros, qui en fait descendent sur un niveau de délinquance qui est plutôt de la moyenne haute délinquance, mais enfin plutôt de la moyenne délinquance, qui en fait est l'échelon juste au-dessus de celui des SAIP, et épaulé par la sûreté territoriale si l'on était besoin à l'occasion de certaines affaires. Ces répartitions d'affaires et ces attributions sont évidemment faites en vertu des protocoles judiciaires, qui sont des protocoles évidemment portés par les parquets, par les chefs de parquet, par les procureurs de la République. Donc effectivement, il y a 4 protocoles parisiens, en tout cas moi en ce qui me concerne, avec les parquets de Paris, Créteil, Nanterre et Bobigny, qui sont évidemment partagés, co-signés avec mon homologue de la DESPAP, et qui sont amenés à être révisés par définition régulièrement en fonction de l'évolution de la délinquance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, le protocole est un cadrage général qui permet de gagner en efficacité, qui permet de gagner en temps, en délai de saisine des services. En gros, quand une affaire se présente avec une plainte, les services savent immédiatement vers quel service orienter cette plainte. Et le parquet également, les services du parquet le savent également. Mais ces protocoles ne lient pas les procureurs qui gardent, en vertu de leur prérogative légale, la possibilité d'y déroger, de saisir tel ou tel service en fonction de ses compétences ou de sa manière d'opérer. Ça a été indiqué tout à l'heure, mais c'est important. Parce qu'effectivement, il n'enlève en rien le capacitaire et l'autorité du procureur sur la manière dont les enquêtes sont saisies et sur la politique des saisies des parquets, voilà, précisément. Ce protocole, il n'est pas signé par, d'ailleurs, je le dis au passage, il n'est pas signé par le préfet de police, d'ailleurs. Faut le dire. C'est un protocole qui engage les services d'enquête avec, dans la relation avec l'autorité judiciaire. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Hein, donc, à aucun moment, le préfet de police n'intervient dans ce processus-là. On est d'ailleurs en situation de révision, pour préciser les choses. On est en train de réviser et de procéder à une relecture du protocole parisien. Ça se discute, évidemment, avec la procureure de Paris, hein, exclusivement. Voilà, donc déjà le premier sujet, pour moi il est important, c'est de vous rappeler ici que sur Paris, la PJ, la police judiciaire, traite aussi des affaires de délinquance intermédiaire. Nous n'aurions pas l'équivalent actuellement dans l'organisation d'aujourd'hui en province telle que vous connaissez les territoires.
Le deuxième sujet sur lequel je souhaitais revenir, c'est l'intégration de la police judiciaire dans les orientations qui nous sont données. Évidemment, ces orientations sont des orientations ministérielles, ça a été indiqué tout à l'heure, mais elles sont très largement partagées avec aussi les procureurs de la République. J'y reviens, mais c'est une réalité. Et donc, la PJ participe dans ce cadre-là à l'effort, notamment au travers de plans qui sont déclinés, qui sont connus. Il a été évoqué tout à l'heure le crack, qui est une préoccupation effectivement quotidienne, mais la PJ participe évidemment quotidiennement à la lutte contre les trafics de crack. Le tout, c'est de s'organiser entre les services pour savoir qui fait quoi, comment on le fait, à partir d'où et comment on va le traiter. Bon. La PJ travaille aussi sur les services de PJ travaillent aussi, par exemple, dans le cadre du plan cambriolage. Anti-cambriolage. La BRB, par exemple, mais également les districts de police judiciaire participent à l'interpellation, en tout cas contribuent aux interpellations d'équipes qui procèdent à des cambriolages ou qui détroussent, par exemple aussi, dans le cadre du plan tourisme, des touristes qui sont en visite sur Paris à certaines périodes de l'année. Donc tout ça, si vous voulez, ça vient contribuer à l'effort des services et à donc une orientation générale. Donc il y a un pilotage, en fait, en réalité, de l'action des services répressif qui se fait sur ces axes-là. Après, à partir du moment où les enquêtes sont initiées, que les flagrants délits, par exemple, pour certains types d'affaires sont réalisés, il est évident que on est dans un domaine stricto sensu judiciaire, de procédure judiciaire qui n'intéresse absolument pas, je complète ce qui était, mais je le redis aussi, qui n'intéresse pas le préfet de police en qualité de préfet de police. Voilà, il a des objectifs à assumer. Après, dans le cadre des enquêtes, ce sont les services qui sont porteurs avec les procureurs de la République. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis évidemment, le rôle de la police judiciaire, il faut aussi le concevoir sur certains sujets, parce que nous n'avons pas vocation à prendre tout en compte, heureusement d'ailleurs. Mais évidemment, de temps en temps, il est nécessaire de pouvoir renforcer le pilotage de l'action, comme je l'ai indiqué. Et c'est vrai, par exemple, aussi dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants. On parlait du crack tout à l'heure, mais c'est un exemple, mais beaucoup plus réduit par rapport à l'ensemble de la lutte contre les trafics de stupéfiants. Et là, chez moi, c'est la brigade des stupéfiants qui organise des réunions opérationnelles, hein, j'insiste, qui fait l'interface d'ailleurs avec l'OFAST de la DCPJ. Et ces réunions qui sont portées sous l'égide de la cellule de rapprochement et opérationnelle contre les trafics de stupéfiants, la CROSS, a vocation à déterminer quels sont les objectifs qui méritent d'être travaillés, qui méritent d'être judiciarisés, d'être portés au niveau de la justice, et surtout de les partager avec nos petits camarades, nos camarades de la DESPAP. Donc ces réunions, elles sont faites sur Paris, elles sont faites aussi pour la banlieue, et donc là, il y a une gouvernance quoi, qui est mise en place et qui permet, en tout cas, d'orienter l'action des services, qui reste évidemment ce qu'elle est, par rapport à une masse d'affaires, une masse d'objectifs qui sont issus des signalements qui nous remonte. Voilà ce que je voulais vous dire déjà aussi en préalable, mais ça correspond véritablement à l'organisation de notre service. Merci. Pour ma part, Madame, Monsieur, beaucoup de choses ont été dites sur la description de cette direction, la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, compétente donc sur Paris et les trois départements de Petite Couronne, avec une unité de base de fonctionnement qui est la circonscription de sécurité publique. Donc le préfet de police l'a rappelé, il y en a 79. Et à l'intérieur de chaque circonscription de sécurité publique, la première entité pour traiter le judiciaire est ce qu'on appelle le SAIP, le service d'accueil, d'investigation, de proximité, avec en charge, la première charge, c'est de prendre le recueil de la plainte et d'accueillir le public, et puis après de traiter les affaires, avec une organisation binaire en réalité, une unité de traitement judiciaire en temps réel, donc qui absorbe le flagrant délit et traite immédiatement les personnes interpellées qu'il faut placer en garde à vue, et puis des unités d'investigation, de recherche et d'enquête qui travaillent davantage sur les dossiers, davantage sur du plus long terme. Au-delà de cette unité de base qui est la circonscription avec son SAIP, dans chaque département, une sûreté territoriale, la sûreté territoriale ayant en charge soit un contentieux particulier, soit sa raison d'être essentielle,
qui est l'appui aux circonscriptions, parce que des faits relèvent de circonscriptions, parce que il y a une sérialité qui est déterminée, et on évoque la procédure judiciaire à un niveau supérieur. C'est la raison d'être des sûretés territoriales. Au-delà de cette organisation territoriale et dans ce système intégré de la préfecture de police, la DESPAP a elle-même un système intégré qui a été cité, qui est notamment celui de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière, puisque à part le contrôle transfrontière, c'est la DESPAP qui, à l'échelle de l'agglomération parisienne, assure les missions de police aux frontières. Alors c'est vrai pour la gestion des centres de rétention administrative, mais c'est vrai aussi pour le traitement des infractions liées aux étrangers en situation irrégulière et à toutes les filières d'exploitation des êtres humains et de ces étrangers en situation irrégulière. Donc à ce titre, un service judiciaire important est le département de la criminalité organisée qui s'occupe des filières, mais également un département du contrôle des flux migratoires qui fait aussi lui-même du judiciaire et qui est en appui des territoires et des directions territoriales pour l'ensemble des missions qui relèvent des contrôles en lien d'ailleurs avec le CODAF hein, pour la lutte contre la fraude et qui travaille sur les dark kitchens, par exemple, hein, c'est un des objectifs, mais qui travaille sur l'habitat insalubre et sur tous ces domaines d'exploitation des étrangers en situation irrégulière sur le territoire. Et puis un autre service particulier qui est un intermédiaire finalement entre un SAIP et une sûreté territoriale, c'est la Sûreté régionale des transports, puisqu'elle est spécialisée sur le contentieux lié aux opérateurs de transport et aux infractions qui se passent sur l'ensemble des lignes et des gares. Et à ce titre, elle se rapprochera d'un SAIP lorsqu'elle traitera de violences commises sur un agent, par exemple, au lieu de partir sur un commissariat dans un SAIP. C'est la Sûreté régionale des transports qui traite. Et puis, elle aura une vocation un peu plus de sûreté territoriale quand elle travaillera sur du recel de téléphones portables en bande organisée, par exemple, qui est finalement l'utilisation des téléphones sur différents larcins de manière organisée, ou qui va travailler sur de la sérialité, sur des infractions sexuelles, par exemple, commises dans les transports en commun. Voilà pour la description du service. Donc, j'insiste, une forme déjà d'intégration au sein de la DESPAP, notamment au travers de cette sous-direction de la police régionale des transports et de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière. Telle que notre organisation vous a été évoquée, vous comprenez bien que la DESPAP a par principe une compétence de principe et la police judiciaire une compétence d'attribution, soit sur certains domaines déjà déterminés de haut de spectre de la délinquance, soit parce que un des procureurs de la République des quatre territoires décide que dans le cadre du protocole ou au-delà du protocole, il convient de saisir la direction régionale de la police judiciaire. Alors, quels sont les modes de saisie pour un service comme la DESPAP? C'est bien évidemment c'est le flagrant délit. Donc c'est soit une intervention suite à un appel 17 police secours, soit un travail d'initiative des effectifs sur le terrain. Et donc c'est une interpellation d'individus en flagrant délit. C'est un travail sur dossier transmis de transmission d'une circonscription à une autre ou d'un département à l'autre ou d'une saisine directement du parquet. Et puis c'est également un travail d'initiative, mais j'allais dire un travail d'initiative organisé, puisque nous montons des opérations judiciaires en lien avec les enjeux du territoire, par toute une série de remontées d'informations qui sont alimentées soit par les doléances des riverains qui nous arrivent directement et qui nous alertent sur un fait que l'on aurait identifié ou pas encore identifié, mais également parce que chaque commissariat a ce qu'on appelle une MPCE, une mission conseil, prévention et écoute,
qui justement recueille ces doléances et fait des vérifications sur le terrain, les premières vérifications pour pouvoir répondre aux usagers, mais également porter l'affaire auprès des services d'enquête s'il faut une résolution à la fois plus globale et judiciaire de la problématique qui est soulevée. Et puis nous avons institutionnalisé à l'échelle de l'agglomération en matière de sécurité de proximité, des groupes de partenariat opérationnel dans lesquels travaille l'ensemble des partenaires engagés sur ce secteur du territoire. Tout le territoire est sectorisé et qui fait part d'un certain nombre de remontées d'informations et de problématiques de sécurité qu'il convient de traiter, notamment traiter par le biais judiciaire, d'où l'ouverture d'enquête. Voilà, donc l'enjeu de notre mission, de l'action de police, c'est vraiment maîtriser le territoire et être en capacité, par la réponse judiciaire, de traiter les problématiques du territoire. Et ça se fait par le biais du petit judiciaire qui est l'apanage de la DESPAP, mais aussi par du travail sur de l'analyse plus sérielle, y compris en lien avec la direction de la police judiciaire. Voilà ce que je voulais vous indiquer. Merci, merci à vous trois. Je vais commencer. Dans votre description, on ressent qu'il y a vraiment des services qui sont effectivement très intégrés. Probablement que ce que vous décrivez entre la sécurité publique et la PJ, moi, ça me fait pas mal penser au déplacement qu'on a eu dans l'Oise avec les descriptions à la fois du DDDPN expérimentateur et puis... J'avais spécifié, donc ce que je constate, c'est dans ce que vous dites, c'est un décloisonnement, plus d'agilité, etc. La question que je me posais, c'est que donc, la réorganisation aujourd'hui, elle vise à la création de 4 filières, immigration, renseignement, voie publique et judiciaire, plus une direction support RH. La question que je me posais, c'est est-ce qu'au vu de votre fonctionnement, vous considérez que vous pourriez être encore plus intégré, avoir encore plus d'intégration entre les services? Y compris en parlant d'outils communs, de choses comme ça qui sont prévues aujourd'hui dans la réorganisation. Et pour aller au bout de mon idée, l'APP n'est pas aujourd'hui prévue dans la réorganisation, peut-être parce que les échéances des Jeux Olympiques 2024 font que c'est peut-être pas le moment juste avant cette échéance de le prévoir, mais est-ce que pour autant, dans un calendrier peut-être moins proche des JO, c'est une option qui vous paraît souhaitable, au contraire, pas du tout. Voilà. Merci. Alors, effectivement, d'abord, vous avez raison de rappeler, parce que je vois que dans le débat, on l'oublie souvent un peu, c'est que la réforme dont on parle, c'est d'abord une réforme de la police nationale, c'est l'organisation de la police nationale en filière. La conséquence étant la création de direction départementale de la police nationale. Moi, je fais cette remarque et vous avez raison de rappeler que le but, c'est de créer des filières métiers pour avoir une structure qui soit plus intégrée, qui, on va se le dire, ressemble un peu plus à la DGGN, en fait. Ça existe, ce modèle. Il existe, il fonctionne, par ailleurs. Je ne dis pas que la police nationale ne fonctionne pas bien, mais l'idée, c'est que ça fonctionne mieux. C'est ce que veut le ministre. Effectivement, je comprends, madame la rapporteure, de votre question, c'est est-ce que on pourrait, nous, au sein de la préfecture de police, peut-être avoir aussi cette logique de filière, c'est-à-dire avoir finalement qu'une seule direction judiciaire. Je crois que c'est la question dite explicitement. Pour l'instant, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour, puisque nous, à la préfecture de police, nous avons une intégration telle que l'effet recherché, il existe déjà, nous semble-t-il. C'est-à-dire qu'on a un préfet de police qui est à la tête d'un certain nombre de directions. Il y a une coordination, il y a une animation, il y a une coopération dont une grande partie se fait hors de son contrôle, ça a été rappelé, mais sous le contrôle des parquets, des magistrats, et que donc l'effet recherché, l'effet qu'on cherche à atteindre, il est en partie atteint par cette organisation. Après, la question de savoir s'il faudra un jour, au sein de l'APP, avoir
une seule filière judiciaire. Ça voudrait dire un peu comme ce qui veut être fait au plan national, c'est-à-dire avoir finalement le regroupement des sûretés et de la DRPJ dans la même structure. La question ne se pose pas actuellement parce que notre modèle, qui est à mi-chemin, hein, j'en conviens, qui était l'organisation actuelle de la DGPN, et l'organisation de la police par filière, la PP se trouve à mi-chemin. Hein. Ce n'est pas le modèle le plus abouti. On le cite en exemple parce que c'est un exemple d'intégration plus approfondie, mais ce n'est pas l'intégration totale et complète de création d'une filière. Mais nous, et le ministre l'a rappelé à juste titre, ce qu'il considère, c'est que déjà l'intégration qui existe à la PP produit quand même déjà une coordination, une animation qui est satisfaisante. Voilà. Et puis après, il y a évidemment le contexte que vous avez rappelé. Enfin, le ministre a clairement dit qu'on a des échéances qui font qu'il n'y aura évidemment pas de réforme structurelle de la préfecture de police dans les mois et dans les années qui viennent pour les raisons que vous avez dites. Mais voilà. Donc je comprends votre question comme étant celle d'une intégration finalement de tout le judiciaire au sein d'une même direction. Ce sujet n'est pas à l'ordre du jour à la PP parce que ce mode de fonctionnement que nous avons, et pour les raisons que nous vous avons dites, fonctionne de manière satisfaisante et permet d'atteindre l'objectif recherché. Oui, juste peut-être, effectivement, pour compléter ce qui était dit à l'instant, c'est que si on réfléchissait à pousser le modèle de l'intégration, ce serait quelque part donc intégrer les services actuellement judiciaires, enfin dédiés à l'investigation qui appartiennent à la DESPAP au sein de la direction de la police judiciaire. Et on reviendrait finalement à un modèle hanté qui est celui qui a eu existé, alors sous une autre forme, mais où effectivement au sein de la direction de la PJ, les brigades centrales, en tout cas l'action de la police judiciaire, descendait jusqu'au niveau des commissariats de quartier. Donc c'est un modèle qui manifestement ne correspondait plus, en tout cas aux attentes des autorités. Je n'ai pas, si vous voulez, à commenter la réforme, mais il faut bien admettre que si on devait aller jusqu'à ce stade-là, on revient sur ce modèle-là. Donc voilà ce que je voulais juste compléter, quoi, en fait. Merci. Merci pour vos présentations, Monsieur le Préfet, Madame la Directrice et Monsieur le Directeur. J'ai plusieurs questions assez précises. Est-ce que vous avez... Donc j'ai compris qu'il y avait un protocole par parquet, avec des sous-parties par service, j'imagine, puisqu'il y a d'un côté des RPJ et de l'autre côté des SPAP. Est-ce que vous avez aussi des protocoles entre vos directions pour vous partager les moyens, les services, etc. Je vais vous laisser répondre, mais les protocoles sont validés par les parquets, mais discutés avec vous en réalité. Hein, donc c'est bien une répartition entre directions. Je crois que, enfin, je me permets de prendre la parole parce qu'en fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Il y a les protocoles judiciaires, hein, vous avez bien compris de quoi il s'agit, donc effectivement, je ne reviens pas dessus. Après, l'autre aspect de votre question, est-ce qu'il y a des protocoles de fonctionnement entre les deux directions? On ne voit pas, mais peut-être que je me trompe. Mais si vous voulez, ça fait partie d'un mode de fonctionnement où en fait, on échange en pratique, notamment sur, je pense, plusieurs points. D'abord des mutualisations de matériel. On imagine bien qu'actuellement, donc il nous faut du matériel technique et de plus en plus pointu. Si ce matériel est détenu et en tout cas placé sous ma responsabilité, il est mis également à disposition de la DSPAP dès lors qu'elle en a besoin dans le cadre du soutien de ces investigations. Je vous le dis, c'est une vérité. Hein. Je ne rentrerai pas dans le détail, je ne peux pas le faire, mais la vérité, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des services supports de la police judiciaire qui ont vocation, et moi je les pousse évidemment pour aller vers cette tendance-là, des services supports qui sont rattachés en tout cas à la police judiciaire, mais qui ont une vocation transverse, c'est-à-dire qui servent aussi les intérêts de la DESPAP. J'ai parlé tout à l'heure de la CROSS, donc qui centralise en fait toute l'information qui remonte sur les trafics de stupéfiants, du hall d'immeubles jusqu'aux trafiquants d'envergure. Cette information, évidemment, elle est partagée, elle est mise en ligne, si on veut dire, et elle est débattue justement pour définir ensemble nos priorités. Mais j'ai d'autres exemples. Nous avons au sein de la direction PJ donc un service qui est un service d'analyse sur les phénomènes criminels et qui est chargé
chargé de finalement de travailler sur les phénomènes émergents, sur les modes opératoires, donc qui nous fait des notices donc sous l'égide du CIRASCO qui lui-même va abonder en fait le CIRASCO de la direction centrale de la police judiciaire. Ces fiches, je les mets à disposition non seulement des magistrats, mais évidemment, bien entendu, de mes collègues des directions et du préfet de police, justement, pour l'alerter et pour montrer un petit peu comment on peut travailler et qu'est-ce que nous voyons, en fait, au travers de nos enquêtes. Je vous parlerai aussi, par exemple, de la cellule Corail. La cellule Corail, c'est une cellule de rapprochement qui est armée, d'ailleurs, à l'instar de ce que j'évoquais tout à l'heure par la Crosse, aussi avec du personnel de la DESPAP, puisque, effectivement, à la Crosse, comme à la cellule Corail, il y a également des membres de la DESPAP qui sont dédiés, qui sont placés là. Ils appartiennent à leur direction, mais ils sont en quelque sorte des officiers de liaison, si vous voyez les choses de cette manière-là. Et donc la cellule Corail fait des rapprochements sur les infractions sérielles. Je pense notamment à des affaires de cambriolage, des affaires de viol, par exemple. Et elle a une compétence, d'ailleurs, en plus, cette cellule régionale, puisqu'elle travaille également avec Versailles. Dans l'intérêt, c'est de faire des rapprochements pour des enquêtes de l'APJ, mais évidemment pour des enquêtes qui sont portées par la DESPAP. Vous voyez donc des exemples aussi sur ce sujet-là. Alors, des fois, c'est protocolé, entre guillemets, fait l'objet d'un protocole, et pour autant, il n'est pas nécessaire forcément de l'acter systématiquement. Et puis, ma collègue me parle aussi de la BRI, qui évidemment est une brigade d'intervention, mais qui travaille aussi pour le compte de la DESPAP, à la fois dans le cadre des enquêtes judiciaires pour participer aux opérations de perquisition, d'interpellation qui peuvent nécessiter le soutien d'opérateurs spécialisés, mais c'est vrai également dès lors que vous allez avoir un individu qui va se retrancher à domicile, qui va évidemment pour lequel il va falloir engager une phase de négociation, voire d'intervention. Donc on n'est pas nécessairement saisi en PJ, pour autant la BRI elle intervient pour le compte de la DESPAP. Voilà des exemples. Juste pour compléter ce qu'a dit monsieur le directeur, monsieur le rapporteur, parce que votre question, la formulation de protocole m'avait induit en erreur, hein, donc si vous parliez de protocole de fonctionnement, tous les exemples qui viennent d'être donnés, ils sont propres à l'APP, et monsieur le directeur régional de la police judiciaire a la modestie de ne pas rappeler que ces modes de coopération n'existaient pas en dehors du monde de la préfecture de la police, et qu'un certain nombre des outils dont on a parlé ont été ensuite déclinés au plan national. Le plan STUP, la création de l'OFAST, les CROSS, à la préfecture de police de Paris, ça existe depuis très longtemps. Le plan STUP, si, le plan STUP existe depuis très longtemps. Oui, mais je vous ai... Oh là là, je vous expliquais pourquoi, monsieur le rapporteur. Non, ça remonte à bien, bien avant. On a un peu d'historique à la préfecture de police. On a toujours eu un travail sur les STUP par objectif entre les services de la DESPAP et les services de la police judiciaire. Toujours eu cette coopération extrêmement renforcée qui est facilitée par cette intégration. Et ce qui se passe en 2015, il y a cette idée d'aller exporter ce modèle en dehors du territoire de l'APP. Et c'est une expérimentation qui va être lancée à Marseille d'abord. Je m'en souviens très bien, j'étais préfet de police sur place. Monsieur Saint venait de quitter ses fonctions et avait déjà initié ce travail. Et on va effectivement ensuite l'expérimenter sur un autre territoire qui est effectivement le Nord, où on va créer effectivement des crosses et un endroit où finalement on va reconstituer le modèle qui existait à l'APP d'une intégration plus forte, d'une discussion en permanence sur les aspects de police judiciaire à mener. Toujours, et j'insiste, toujours en lien très étroit avec les parquets. Hein, la politique et les crosses et autres, c'est toujours avec le parquet. Hein, c'est finalement l'autorité qui décide. Et le logiciel Corail, hein, qui a été évoqué, est un logiciel qui vise à identifier, comme l'a rappelé le directeur, des équipes sérielles, qui étaient d'abord consacré à certains types de délinquants, je crois les cambriolages, les vols violents au départ, et puis petit à petit on l'a étendu. Même chose, ça a été facilité par cette intégration qui existe à la préfecture de police, et puis ensuite on l'a étendu à d'autres territoires. Hein, voilà. Mais ce mode de fonctionnement, effectivement, sans être protocolisé, il existe dans bon nombre de thématiques. Puis bon, je voudrais juste ajouter qu'il y a un autre acteur qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est la direction du renseignement, qui contribue également à fournir un certain nombre d'informations et d'objectifs. Je pense en particulier, évidemment il y a le haut du spectre, mais il y a également dans la lutte contre la délinquance du quotidien, les trafics de stupéfiants. Nous recevons régulièrement des notes qui viennent compléter en fait nos propres éléments d'information en provenance de la DRPP. Vous avez parlé
des sûretés territoriales qui viennent en appui des SAIP dans les circonscriptions. Qu'est-ce que ça veut dire en appui? Ça veut dire en complément dans l'enquête ou à la place des enquêteurs des circonscriptions si le niveau de criminalité, enfin de délinquance est supérieur? Et même question du coup entre les sûretés territoriales et la DRPJ, si la DRPJ vient en appui. Est-ce que ça se matérialise concrètement à la fin par des co-saisines entre les enquêteurs de la circonscription et les enquêteurs de la sûreté territoriale, et ou sûreté territoriale et DRPJ? Oui, ben pour répondre à votre question, l'appui se matérialise par les deux phénomènes. Alors en général, l'appui essentiel, c'est quand même une évocation de l'affaire par la sûreté territoriale qui reprend. Mais il peut y avoir un appui avec une enquête partagée, c'est-à-dire l'ensemble des enquêteurs à la fois du SAIP et de la sûreté territoriale actent dans la même procédure. Donc ça, c'est possible aussi. Mais en général, on fait reprendre l'affaire par la sûreté territoriale qui reprend l'ensemble. Et de la même manière, il peut y avoir des affaires de co-saisine entre des services de la DESPAP et des services de la police judiciaire. Ce n'est pas la règle, hein, cependant. C'est plus l'exception, mais ça peut se produire. Bon, si vous voulez. C'est bon, voilà. Je crois qu'il faut être clair sur le principe des co-saisines. C'est pas une tarte à la crème, quoi. Hein. C'est pas la solution miracle. La co-saisine, elle est justifiée et elle s'impose dès lors qu'effectivement vous avez deux services qui vont travailler sur des objectifs communs, avec finalement l'idée derrière qu'il faut que chacun dans sa capacité en fait à faire progresser l'enquête, son potentiel à porter les investigations, chacun apporte sa contribution sans pour autant faire du redondant, de la redondance, et puis se superposer. Et moi je ne suis pas du tout intéressé, si vous voulez, pour afficher un principe de co-saisine de la police judiciaire juste sur la fiche, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement on soit capable de bosser ensemble, ça, parce qu'en fait en réalité vous avez par exemple un réseau de trafiquants de produits stupéfiants, vous avez une branche qui est prise en compte par un service, vous avez une autre branche de cette équipe qui est prise en compte par un autre service peut-être de la police judiciaire, et à ce moment-là il est important de pouvoir se co-saisir pour pouvoir partager évidemment l'information juridiquement et sécuriser la procédure, donc c'est ça aussi l'intérêt, mais également de coordonner finalement au fond les investigations pour pas les multiplier et puis se tromper de sens à donner à l'enquête. Bon, donc si vous voulez, moi une fois qu'on s'est mis d'accord, on est capable de travailler, donc on fait des co-saisines dès lors qu'elles sont nécessaires et ça me pose aucune difficulté. Je l'ai eu fait sur d'autres territoires, je n'ai pas par principe du tout de scrupule à le faire dès lors que c'est pertinent de le faire. Je crois que ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'avant d'aborder l'histoire de la co-saisine, il est important de savoir qui fait quoi et d'être informé de ce que font les autres. C'est aussi ça l'enjeu. D'où l'intérêt, j'y reviens, mais parce que c'est quand même un peu ça aussi. Je pense que fondamentalement, le concept est bon. C'est de pouvoir amener ce que j'appelle, si vous voulez, un pilotage, une espèce de gouvernance, même si le terme est un petit peu fort, mais de l'action des services par rapport à des problématiques de territoire, par rapport à des problématiques de bande, par rapport à des problématiques d'objectifs. Il n'y a rien de plus dramatique, si vous voulez, que de se retrouver nez à nez avec d'autres services qui travaillent finalement au fond sur les mêmes affaires que les vôtres ou les mêmes objectifs. Et en amont, il y a ce travail à faire de pouvoir nouer un dialogue permanent pour savoir qu'est-ce que va faire par exemple un service de sûreté départementale, qu'est-ce que va faire une circonscription et qu'est-ce que fait la PJ de manière justement à pouvoir apporter au procureur la meilleure solution, quoi. Voilà, ou au juge d'instruction si on est sur commission rogatoire. Merci. Vous nous avez dit tout à l'heure que, monsieur le directeur, que la PJ prenait en charge des... je ne sais pas si c'est le terme exact que vous avez utilisé, mais des actes criminels... je crois que vous avez utilisé le terme de délinquance moyenne, ou en tout cas actes criminels que d'autres, dans d'autres territoires ne sont pas pris en charge par la PJ. Pourquoi vous avez fait ce choix? Quels résultats vous observez et quels moyens vous mettez en place pour ça? Bon, en fait,
La réponse, elle est quasiment dans la fin de votre propos. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas de petites et de grosses affaires au final. Hein, c'est un peu ce qui était dit tout à l'heure. Moi, je ne rentrerai pas dans ces dialectiques-là, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt, si vous voulez, la nature des moyens qu'il faut engager au regard de la complexité ou de la non-complexité, a priori, d'une enquête. La DESPA, ma collègue, elle a du volume, elle a du flux à traiter en permanence. Elle pourrait vous donner quelques chiffres. Je pense que c'est assez frappant. Elle n'a pas forcément nécessairement les moyens, si vous voulez, d'investir durablement, donc sur des enquêtes qui sont un peu plus complexes. D'où l'intérêt pour elle, de je pense, dans certains cas, de faire appel à la sûreté, à la sûreté territoriale, qui viendra apporter un concours. Mais si ça ne suffit pas, effectivement, il faut passer à des services qui ont un peu plus de temps pour travailler. J'ai coutume de dire à mes équipes, la police judiciaire, elle n'est pas meilleure que les autres, quelque part. Mais on lui donne des moyens pour travailler mieux, et c'est précisément ce qu'on attend d'elle. Donc, moi, en ce qui me concerne, je considère que des affaires d'homicide, des affaires de cambriolage multiple qui rentrent, dans le protocole que j'évoquais tout à l'heure et qui attribue finalement au district de police judiciaire ces compétences-là, ne sont pas des affaires subalternes, mais sont juste des affaires qui, dans certains cas, apparaissent un peu plus simples. En tout cas, on préjuge du fait que les moyens qui vont être dédiés vont permettre d'élucider assez rapidement la saisine ou d'identifier assez rapidement les auteurs d'infractions. Si on a plus de difficultés, qu'on est plus sur des affaires d'énigmes, notamment en matière d'homicide, si on est sur des trafics organisés de produits stupéfiants d'un niveau supérieur, si on est sur des niveaux de braquage qui sont évidemment beaucoup plus importants par rapport au mode opératoire ou par rapport aux préjudices, il est nécessaire de faire appel aux brigades centrales. Donc on est au troisième niveau à ce moment-là, et en plus c'est un niveau qui a l'habitude de faire l'interface avec les offices qui ont été évoqués tout à l'heure, enfin en tout cas de la direction centrale de la police judiciaire. Vous voyez, donc, et finalement au fond, les protocoles qui sont rédigés avec les procureurs, ils sont faits en fonction de ça, c'est-à-dire on se dit, voilà, ce type d'affaires, le meilleur service pour le travailler, c'est plutôt un district, parce qu'au fond, c'est un petit peu plus simple. Ils vont pouvoir travailler dans la durée, mais ils ont quand même de la masse d'affaires. Et si vraiment c'est très compliqué et que ça devient trop ardu, et à ce moment-là, il faut basculer vers une brigade centrale qui pourra investir encore plus de moyens. Mais voilà, donc c'est la complexité de l'affaire, et c'est ce qui conduit d'ailleurs aussi à déroger au protocole, c'est-à-dire que quelque part, quand on se rend compte que l'enquête apparaît sous un jour différent de ce qu'on pouvait imaginer, le procureur, et d'ailleurs on le décide de manière concertée, va décider de saisir plutôt une brigade centrale qu'un district, alors qu'a priori cette affaire-là était plutôt dédiée à un district de police judiciaire, vous voyez, ou alors sur proposition des enquêteurs également, voilà. Donc c'est ça le sujet, hein. C'est la complexité, c'est les moyens dédiés, c'est le temps qu'on imagine pouvoir être consacré pour élucider un dossier, une saisine et apporter une réponse au plaignant. Ouais, je ne veux pas vous dire de bêtises. Bon, la direction de la police judiciaire, c'est à peu près, en tout cas pour Paris, je suis resté sur... on doit être sur 1700-1800 actifs, personnels actifs. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que les districts de police judiciaire, peu ou prou, sont à peu près à entre 90 et ou un peu plus de 100 à l'effectif. Donc les trois districts qui ont été évoqués par le préfet de police tout à l'heure. Il y a trois districts donc sont à peu près à la même, à peu près à part le deuxième qui est un peu plus étoffé parce qu'il y a plus de volume. On a 100, 110, 120 personnels, quoi, dédié aux enquêtes, donc de moyenne intensité, quoi, pour parler simple. Je suppose que la question m'est adressée aussi. Donc, à l'échelle de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, au 31 octobre, on avait 4887 personnels engagés sur des missions d'investigation, dont 4430 enquêteurs, puisqu'on a 457 personnels dédiés à la police technique et scientifique. Voilà, avec un peu moins de, pour les gardiens, un peu moins de 2000 officiers de police judiciaire. Bon, j'ai retrouvé les chiffres, hein, donc comme ça au moins on sera clair. Vous voyez donc.
Merci, excusez-moi, je te prie de m'excuser. Donc j'ai retrouvé mes chiffres, hein, donc j'ai essayé d'être bon élève. Donc la DRPJ au 30 octobre 2022 compte 2289 agents, c'est-à-dire 1881 actifs, 61 policiers adjoints et 347 personnels administratifs, techniques et scientifiques. Merci. Et du coup, je complète la question sur la question qui nous a intéressé aussi dans nos différentes auditions du taux d'encadrement dans vos services respectifs. Sur la partie PJ, hein, pour la DESPAP, en tout cas. S'ils n'ont pas la réponse maintenant, ils peuvent le faire par écrit. Ouais, et si vous n'avez pas la réponse là, dans l'immédiat, on peut la prendre a posteriori. Hein. Sinon, de toute façon, on vous le passera par écrit, puisqu'on a un questionnaire, on a toutes ces réponses, on vous les passera par écrit. Je ne sais pas si tu l'as, toi, Christian, sur le... Encadrement normal pour par rapport à l'ensemble des services de la DESPAP, en tous les cas pour moi, puisque à partir du moment où vous n'avez pas tout à fait 40% d'officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire ont vocation à être gradés. Voilà, donc il y a un taux d'encadrement qui est supérieur aux autres services de voie publique en termes d'encadrement, mais je vous donnerai les chiffres exacts. La direction PJ, pour répondre à votre question, c'est 1390 officiers de police judiciaire. Vous voyez, ça complète. C'est pas, ce ne sont pas les noms des officiers, hein, on est bien d'accord, hein, mais ce sont les officiers de police judiciaire. Alors, vous nous donnerez ça à posteriori, il n'y a pas de difficulté. Mais j'ai encore quelques questions. Sur les remontées d'informations, qui sont un sujet qui nous questionne sur la création des directions départementales de la police mises sous l'autorité directe du préfet, notamment pour les enquêtes judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si en interne PP, vous avez dorénavant un protocole interne, une note, un document qui dit ce qui doit remonter, ce qui ne doit pas remonter en matière judiciaire sur la base de ce que vous avez indiqué tout à l'heure, les critères d'ordre public, etc. Est-ce qu'il y a un document qui cadre cela ? Alors, je parle sous le contrôle des directeurs. Non, hein, il n'y a pas de document qui cadre ce qui doit remonter. On n'a pas connaissance des affaires judiciaires, sauf dans le cadre légal que je rappelais, c'est-à-dire... quand une affaire est susceptible d'entraîner, peut avoir des conséquences sur l'ordre public, la tranquillité publique et autres. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de protocole et on n'a pas d'informations qui remontent. Hein, voilà. Donc, après, on peut avoir évidemment des échanges avec les parquets. Hein, on se parle, hein, encore une fois, dans la vraie vie, les préfets et les procureurs se parlent. On peut avoir un certain nombre d'informations, mais qui ne vont jamais au-delà de ça. Voilà, on n'interfère pas dans les affaires judiciaires. Ça, c'est une règle absolue que tous les préfets de France appliquent. Hein, on n'interfère pas dans les affaires, y compris dans les remontées d'informations. Voilà, ce sont des choses dont on n'a pas à connaître, qui sont couvertes, notamment pour certaines affaires, par des secrets qui sont propres à ceux des procédures judiciaires. On n'a pas à en connaître et donc on n'a pas ce genre d'informations. Mais nous n'avons pas de protocole. Hein. Ce sont des règles qu'on s'applique entre nous. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de protocole précis qui formalise les choses. Ok. Parce que du coup, ordre public et tranquillité publique, c'est restreint et large à la fois. Parce qu'une affaire qui pourrait avoir une sensibilité médiatique pourrait troubler l'ordre public, par exemple. Mais donc, du coup, okay, je note qu'il n'y a pas de document établi, comme on peut l'avoir côté ministère de la Justice, avec qu'est-ce qui doit remonter, dans quel cadre, de quelle manière, avec les circulaires de 2014. Très concret. Enfin, quand il y a un réseau stup qui est démantelé, des interpellations, enfin, il n'est pas anormal que le préfet ait cette information, sans avoir le détail, qu'il ait cette information, compte tenu des incidences que ça peut avoir par la suite en matière de violences urbaines, parfois,
En matière de troubles à l'ordre public, voilà, c'est de cet ordre-là. Hein. Je vous donne qu'un exemple. Après, des affaires qui touchent, qui sont des affaires bien plus sensibles, hein, de criminalité organisée, notamment en matière de délinquance financière, hein, monsieur le directeur et autres, enfin, les incidences en matière d'atteinte à la tranquillité publique ou de troubles à l'ordre public sont complètement nulles. Donc, généralement, nous n'avons pas connaissance de ces affaires. On a, les stupes, oui, ça, c'est certain. Des délits ou sériels de cambriolage, des équipes qui frappent à certains endroits, etc. Le cas échéant, on en a évidemment connaissance, mais jamais du détail des affaires. Et il est indispensable aussi pour le préfet d'avoir ce type d'information pour orienter, par exemple, l'action des patrouilles et l'action des forces de sécurité publique sur le terrain. Un peu, voilà, quand on sait qu'il y a une équipe sérielle qui sévit à un endroit, c'est pas plus mal aussi de déployer nos effectifs sur ces zones qu'on va appeler des zones criminogènes. Voilà, mais ça relève de cela. Et il n'y a pas de protocole, mais la directrice me soufflait à l'oreille à l'instant que la règle qui s'applique, c'est finalement la règle du code de procédure pénale. Hein, c'est le secret de l'enquête, le secret de l'instruction. Voilà, c'est notre protocole, c'est ça, c'est notre Bible. Mais j'imagine que vous ne m'auriez de toute façon pas dit autre chose en l'état actuel du droit. Autre question sur les priorités établies par le ministère de l'Intérieur. Alors vous avez rappelé ça à de nombreuses reprises, tout en complétant en disant à chaque fois, a priori, ce sont les mêmes que celles de l'autorité judiciaire. J'ai la faiblesse de croire que ce n'est pas toujours le cas et que ce n'est pas les mêmes moyens qui sont mobilisés. Quand le ministre de l'Intérieur dit « je veux cette semaine des plans rodéo », ok, j'imagine que vous voulez discuter avec le parquet, mais n'empêche qu'il y a des plans anti-rodéo, lui coûte les rodéos partout dans le pays, d'ordre de prééminence, parce que c'est vous qui avez les moyens en direct et pas l'autorité judiciaire qui sont capables de vous actionner directement, notamment sur la police en tenue, qui ne fait pas du judiciaire a priori. Comment on gère cette tension entre les priorités, et est-ce que, je ne sais pas si vous êtes le mieux placé pour répondre, M. Nunez, mais par exemple, est-ce que pendant la mobilisation des Gilets jaunes, est-ce qu'il a pu être question de mobiliser les effectifs de la DRPJ en complément des effectifs de sécurité publique et de maintien de l'ordre de la préfecture de police ? Et peut-être pour compléter la question du rapporteur, et puis aussi parce que je vois là l'heure qui passe, donc c'est probablement la dernière question en ce qui nous concerne, comment on peut préserver la part invisible de la part visible, les policiers en tenue, les moyens donnés à la criminalité particulièrement complexe, on se rend compte qu'ils sont que c'est pas forcément une tâche qui se voit, qui se perçoit dans l'opinion, qui est médiatisable, enfin sauf à l'issue de l'enquête et dans le cadre d'un dénouement heureux, mais il y a aussi beaucoup de travail qui ne se voit pas. Donc comment on fait en sorte que l'allocation de moyens et d'effectifs il soit bien dirigé sur une part qui est moins visible et pourtant essentiel. Hein. Alors, je vais répondre à cette série de questions, hein, si vous le permettez. Alors, vous avez raison, M. Bernalicis, M. le rapporteur, de dire, effectivement, le ministre de l'Intérieur, c'est ce qui s'est passé cet été, il y a eu ce qui s'est passé dans le Val d'Oise, avec cette jeune fille grièvement blessée, donc on a eu un plan rodéo. Mais il y a quand même un travail d'initiative des services de police. Hein. Faut pas oublier que les policiers travaillent aussi d'initiative. Moi, quand je demande, comme je le fais depuis l'été dernier, à Madame Tomatis de déployer des effectifs, d'être visible dans Paris pour faire baisser la délinquance, évidemment, ça ramène des affaires, ça ramène du judiciaire. C'est vrai que c'est une action que je vais décider, mais qui est au départ une action de sécurisation. Pour les rodéos, c'est la même chose. Mais sur ces deux sujets, je crois qu'il faut aussi se rendre compte de ce qu'est la vie réelle. La vie réelle, c'est que le préfet, quand c'est comme ça, et le préfet de police à Paris, c'est le cas, il en discute avec la procureure de Paris. Le ministre nous a demandé, ça ne vous a pas échappé, qu'on lance des plans de lutte contre la délinquance pour les JO, délinquance zéro. Évidemment qu'on en discute avec les parquets. On a fait un état-major de sécurité d'agglomération avec tous les préfets, présidés par le préfet de police, les deux procureurs généraux, pour partager cet objectif commun. Alors oui, c'est une impulsion que donne le ministre, évidemment, mais il faut qu'on la fasse partager avec les parquets, parce que si les parquets ne nous suivent pas, Non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire quand on lit certains commentaires sur la réforme. On a l'impression qu'il y a deux mondes qui vivent séparément, qui sont dans des bulles, qui sont cloisonnés.
Pas du tout. On se parle en permanence. Et les parquets, évidemment, souscrivent tout à fait au fait qu'il faut réprimer les conduites dangereuses en matière de rodéo. Évidemment qu'ils partagent l'idée, comme nous, qu'il faut lutter contre la délinquance et pour arriver à, autour des sites des Jeux Olympiques, quand même avoir une délinquance zéro. Tout ça se fait toujours en accord avec les parquets. Mais ne négligeons pas le travail d'initiative qui est celui des policiers. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une partie du stock des affaires judiciaires que nous avons, c'est aussi souvent parce qu'on se déploie beaucoup plus. Donc évidemment, les policiers sont efficaces. Hein, c'est le propre des policiers dans ce pays, c'est qu'ils sont très efficaces et donc ils nous ramènent des affaires. Alors sur les gilets jaunes, je ne crois pas que la DRPJ ait été impliquée, sauf peut-être sur des faits les plus graves. Monsieur le directeur, je vous laisserai peut-être préciser sur des exactions qui pourraient rentrer dans le scope, dans le champ d'action de la PJ. Je te laisserai répondre, Christian. Moi là-dessus, j'ai pas. Moi, en tout cas, en principe, non. C'est pas le judiciaire sur les gilets jaunes. Quand il y a eu des violences, des dégradations et des poursuites judiciaires, ce qui normalement ne doit pas être la règle. Hein. Je rappelle quand même qu'on est là pour encadrer les manifestations et que, en général, ça se passe bien. D'ailleurs, vous êtes bien placé pour le savoir puisque nous avons encadré avec beaucoup de succès la manifestation du 16 octobre organisée par la NUPES. Ça s'est très bien passé. On a pu discuter avec certains des parlementaires de votre groupe. On a su isoler les individus qui causaient des difficultés, la grande majorité des manifestants qui voulaient manifester paisiblement, et ça s'est bien passé. On intervient quand il y a des exactions, il y a des poursuites et des actions judiciaires. Généralement, chez nous, elles sont plutôt du ressort de la DESPAP, mais je donnerai la parole à Christian. Peut-être que sur des exactions les plus graves, il y a pu avoir affaire une intervention de la DRPJ. Christian répondra. Sur la préservation de la criminalité, en fait, votre question, Madame la rapporteure, c'est la criminalité organisée, la délinquance financière, celle qui se voit moins. Oui, elle est préservée, évidemment. Enfin, à la DRPJ, ce sont généralement les brigades centrales qui ont ces dossiers en main. On les dote de moyens, on préserve totalement ces services. Et je comprends de ce qu'a dit le ministre dans le cadre de la réforme de la police judiciaire en cours, enfin de la filière judiciaire de la police nationale, qu'il a pris un certain nombre d'engagements extrêmement forts de ce point de vue, où évidemment que tous les services qui luttent contre la criminalité organisée, dits du haut spectre, seront préservés, les agents seront préservés. Et je comprends par ailleurs que l'organisation territoriale les concernant fait que ce type de criminalité restera géré au niveau zonal. Voilà. Donc, mais oui, on préserve totalement ce type de délinquance. Vous avez raison de souligner que ça se voit moins. Mais les résultats généralement ont un certain retentissement quand même. Les résultats ont un certain retentissement et il serait complètement irresponsable de ne pas consacrer les moyens que nous consacrons à la criminalité organisée quand on voit dans certains pays, pas très loin de chez nous, et d'ailleurs Madame la procureure de Paris l'a rappelé dans une interview dans Le Monde donnée récemment, quand on voit les ramifications que peuvent avoir, on peut même parler d'utiliser le terme mafieux, quand on voit les mafias qu'il y a autour du trafic du stup et les risques de corruption qu'il peut y avoir autour de tout ça, on serait complètement fou, irresponsable, de ne pas consacrer toujours des moyens à haut niveau pour ces services. Monsieur le directeur, pour le gilet jaune d'RPJ, je ne sais pas s'il y a eu des dossiers, j'avoue, peut-être même qu'on n'a peut-être pas le droit d'en parler. Non, on peut en parler, je sens. L'APJ, en fait, a été associée étroitement, la direction PJ, hein, j'entends, à ces problématiques-là, à double titre. Et donc ce, en parfaite intelligence avec les procureurs, le procureur de l'époque, donc à la veille de chaque épisode qui est rythmé de fin de semaine à l'époque. Donc il était convenu que les affaires les plus graves, effectivement, les plus sensibles, étaient relevées de la compétence de la police judiciaire. Typiquement, il y avait des incendies qui étaient occasionnés à l'occasion de ces manifestations qui étaient très importants. Les dégradations de l'Arc de Triomphe, par exemple. Des violences sur des fonctionnaires ou des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de police militaire de la gendarmerie. Des problématiques de vol d'armes. Enfin, je dis ça parce que tout ça, ça a été listé très largement dans la presse à l'époque. Certaines exactions de vol dans des magasins de luxe, par exemple. Enfin, des choses qui pouvaient être périphériques à la manifestation et qui ont conduit, en fait, des saisines de la police judiciaire. Bon.
des dégradations de monuments, enfin voilà. Ça, c'est le premier point. Donc, effectivement, nous sommes intervenus en ex-qualité de PJ. Ensuite, ce qui a été également proposé et à plusieurs reprises donc accepté donc par le procureur de la République, et donc l'idée c'était de faciliter le travail de la DESPAP sur les saisines et la gestion des interpellations qui étaient issues de ces manifestations, c'était que la police judiciaire donc prenne en compte, si vous voulez, baisse le seuil des affaires qui traditionnellement, en vertu du protocole, relevaient de la DESPAP, donc ponctuellement sur le week-end en question. On considérait que les affaires qui pouvaient relever de la DESPAP de droit commun, j'ai envie de dire, et pas liées directement aux manifestations, soient prises en compte par les services de PJ l'espace d'un week-end ou d'une fin de week-end, dès lors qu'il y avait des gardes à vue qu'il fallait solder et terminer le lundi matin. Voilà. Donc ça a été fait à plusieurs reprises et donc j'ai considéré que c'était le coup de main qu'il fallait porter évidemment au bénéfice de nos collègues pour vraiment qu'ils puissent se dédier uniquement à la gestion de leur propre garde à vue, cette fois issue des manifestations. Voilà, donc c'était ça le sujet. Et merci à tous les trois. Et si vous voulez bien nous faire parvenir a posteriori, alors à la fois les documents, on s'est dit là, et puis si on peut avoir aussi l'évolution des effectifs de votre direction, monsieur Saint, sur. Allez, allons-y, les 10 dernières années, si vous arrivez à retrouver ça. Allez, les cinq dernières, vraiment, à tout le moins. Et sinon... et les taux d'encadrement. Bon. Vous avez remonté au temps des brontosaures. il est malheureusement déjà 10h16. Mais j'ai cru comprendre, monsieur Nunez, que vous étiez aussi dans les réflexions au tout départ de la réforme, sa genèse, à sa pensée, avant que vous quittiez vos fonctions de secrétaire d'État. Puisque, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, enfin, cette réforme de la police judiciaire, elle a 30 ans, hein, dans la réflexion. Hein, et elle figurait aussi dans le livre blanc. Hein, donc voilà, c'est à ce titre-là que, effectivement.